moi je suis entraîneur, voilà, je suis CTN pour être plus précis, ça veut dire entraîneur fédéral. Donc je suis là avec une double casquette en fait, j'ai ma casquette FF Voile où donc je supervise un petit peu le championnat d'un point de vue technique avec les autres entraîneurs qui sont présents. Et puis on fait aussi de la détection un petit peu pour préparer les championnats de l'année prochaine, les championnats internationaux 2019. Là, je coach plus particulièrement les équipages de ce qu'on appelle la façade atlantique. Et donc là, c'est plus du coaching individualisé sur les trois équipages qui sont de cette région. La PCC, c'est un club phare du match racing en France. Il y a deux équipages de la PCC présents ici. Et puis, c'est un club qui a un savoir-faire en termes d'organisation qui est remarquable. C'est les premières années de match racing où on se confronte un petit peu aux autres équipages jeunes. Ça a une vraie valeur, c'est un vrai beau titre et je pense qu'encore cette année, il y a un très beau plateau et on aura sûrement un très beau vainqueur. On a une activité match racing jeune qui est assez dynamique en France avec pas mal d'équipages. Il y a les 10 meilleurs qui sont présents ici sur ce championnat de France et puis on avait des équipages présents sur les championnats internationaux bien sûr cette année. On essaye de soutenir ça avec la Fédération Française de Voile et puis avec comme objectif d'ici les deux ou trois prochaines années de remporter le titre de champion du monde jeune de match racing.